Allez, on reprend depuis le début. La tournée Marry Me est l'événement à ne pas manquer. Dans 36 heures, la superstar Kat Valdez et le lauréat des Grammy Awards Bastian vont présenter leur nouvelle chanson Marry Me et échanger leurs vœux en streaming devant un public de 20 millions de personnes. À demain. Tu me reconnaîtras, j'aurai un voile. Charlie, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. J'ai ma fille ce soir. Ça tombe bien, j'ai 3 billets pour ce soir. Amène-la. Papa, tu t'es pas éclaté une seule fois depuis que maman est partie. Dis oui, allez. Épouse-moi, Kat. Mais qu'est-ce que je fais ici? Bon, allons-y, on a que 5 minutes. Qu'est-ce que vous regardez tous? Rien du tout. Passe-moi ton téléphone. Bastian, le futur mari de Kat Valdez, surpris en train de la tromper avec son assistante. Prends ça. Il paraît que 20 millions de gens vont nous regarder et changer nos vœux. On dit que si on ne veut pas ce qui est écrit d'avance, il faut écrire sa propre histoire. Pourquoi pas? Oui. Je vais t'épouser. Toi! Fonce! Allez, 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 allez! Monsieur, je ne sais pas qui. Consentez-vous à prendre Kat pour épouse? D'accord. On est en plein délire. Kat Valdez a laissé le gars du concert et dans la foulée a épousé son chauffeur Uber. C'est une situation insensée. On n'a qu'à lui offrir 5000 dollars et attendre un peu que ça se tasse. Ou je reste mariée à cet homme. Hein? J'ai commencé quelque chose hier soir et si je ne vais pas jusqu'au bout, je vais passer pour une cinglée. Nous devons prendre les devants. Bonjour. Salut. Oh. Seulement 3 mois. Mais je ne la connais même pas. On a fait ça ensemble. Que ça nous plaise ou non, on doit être solidaires. Il faut qu'on vive ce moment en toute spontanéité. Je ne veux pas être la risée de tous. Et moi, je fais quoi? Restez là et souriez. C'est vraiment le truc le plus hallucinant qui puisse arriver dans la vie. Là, il y a 237 000 personnes qui trouvent que vous avez une tête à animer un club de maths. Mais j'anime un club de maths. En passant cette journée avec vous, j'ai eu l'impression d'être... normal. Et si vous veniez avec moi au bal d'automne? Vous êtes en train de m'inviter à la soirée du lycée? Bah, je peux vous laisser un mot dans votre casier. Appelez si vous vous sentez seul. Allô? Je me sens seule. T'as peur qu'elle retombe amoureuse de Bastian et qu'elle te largue? Moi aussi, j'aurais peur. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Je ne suis pas à ma place. Est-ce que c'est raisonnable? Ça fait 6 semaines que ce mot n'a plus aucun sens. I was on my way to you. Hé, toi, pour qui tu te prends? Un fan? Non, je suis pas un fan, je... Enfin, si, maintenant.